La liturgie de ce 5e dimanche de Pâques nous présente 4 lectures afin de nous permettre de nous interroger sur notre manière de vivre notre foi, notre relation à Jésus et à Dieu, son Père, notre Père. Aujourd'hui, Jésus ouvre pour nous de nouvelles perspectives quand il affirme « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le Père sont passés par moi. » Ainsi, comme nous sommes invités à vivre notre itinéraire avec lui, en lui et par lui, car c'est lui et lui seul qui peut nous conduire, qui peut nous mener au Père. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous donne force et courage pour suivre le Christ Jésus, chemin, vérité et vie, et que, enracinés dans la foi, l'espérance et l'amour, nous le laissions nous conduire au Père. Levons-nous pour débuter notre célébration eucharistique en chantant avec la chorale Enfant Jésus. Demandons-lui de répandre sur nous toutes les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour le suivre jusqu'au bout. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, humblement implorons sa douce pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de briller pour moi, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison.
faisons monter vers Dieu nos cris de louange. Accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce récit est
évoque la mise en place de divers ministères au sein de la première communauté chrétienne et nous rappelle que la prière et le service de la parole doivent être placés avant le service des démunis pour que se manifeste la fécondité de la parole. Écoutons avec attention cette première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, les versets. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre eux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans leur service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres. Et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. Et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Le psaume 32 nous invite à l'espérance et à l'action de grâce qui doivent occuper la première place de notre prière, qu'elle soit personnelle, familiale, communautaire. Salut.
Nous sommes des pierres vivantes posées sur la pierre angulaire qu'est le Christ, sans aucun mérite de notre part. Nous sommes gratuitement choisis pour accomplir une mission, témoigner. Écoutons cette deuxième lecture, extraite de la première lettre de Saint-Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 9. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu doit accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture, voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la parole et la foi. Mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, la pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte. Le peuple appartient à Dieu. Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé les ténèbres et son admirable lumière. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour l'acclamation de l'Évangile. Dans la maison de mon père,
il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Alléluia. C'est au cours du dernier repas que Jésus prend avec ses amis qu'il leur rappelle ce qu'il leur a déjà promis précédemment. Jusque-là, ils ont marché avec lui. Ils l'ont suivi sur sa route. Ils ne savent peut-être pas où mène cette route. Ils se sont fait beaucoup d'illusions à ce sujet. Mais enfin, jusque-là, ils ont marché, assurés qu'ils sont qu'à la fin, ils auront de bonnes places. Quelles places? Rappelez-vous les querelles qu'ils ont eues entre eux, notamment lorsque la mère de Jacques et de Jean a demandé à Jésus de réserver les meilleures places à sa droite et à sa gauche pour ses deux fils. Leurs camarades se sont insurgés contre cette prétention. Tous manifestaient comme eux des attitudes d'arrivistes.
À nous les bonnes places. À nous les bonnes places. Il a fallu que Jésus les ramène à plus de réalisme. Depuis des mois, il leur a rappelé à de nombreuses reprises que la route sur laquelle ils marchaient aboutirait au refus, au rejet, à l'arrestation et à la mort sur une croix, a-t-il bien précisé. Mais ils n'aiment pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'heure fatale est arrivée. Dans quelques instants, il sera arrêté et toutes leurs illusions tomberont. Eux-mêmes s'enfuiront tous. Et nous qui espérions qu'il allait libérer Israël, lui dirons les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Sans doute avaient-ils jusque-là manqué de lucidité, mais leur confiance avait été totale jusqu'au moment où tout s'était gâté jusqu'à l'heure de l'arrestation. Ils ne savaient pas bien où les conduisait le chemin, mais ils marchaient, les yeux fermés. Je pars vous préparer une place. Ils marchaient comme les aveugles. Jésus leur demande de lui faire confiance. Ce matin, Jésus nous demande, frères et sœurs bien-aimés, de lui faire confiance. Faisons-nous confiance à Jésus? Comment faire confiance à Jésus? Dans les moments difficiles, dans nos souffrances, nos douleurs, nos peines, il faut que nous fassions confiance à Jésus. Ce Jésus qui veut que nous soyons tous sauvés, c'est Jésus qui veut que nous ayons la vie éternelle. Ce Jésus qui part vers son Père pour nous préparer cette place promise. Je pars pour préparer une place. Jésus leur demande de lui faire confiance. Il part vers son Père et dans la maison du Père, il y a de la place pour tous. Voilà où mène ce chemin. Dans la maison du Père, frères et sœurs bien-aimés, il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour moi, il y a de la place pour vous qui participez à cette Eucharistie. Thomas, lui, ne manque pas de sens pratique. Aussi, il doit immédiatement son incompréhension. Il dit cette incompréhension immédiatement. Logiquement, frères et sœurs, nous ne savons pas où tu vas, alors comment pourrions-nous savoir le chemin? C'est logique. Nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Mais il faut savoir que la foi est plus forte que la raison. C'est ce que nous dit le pape Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio, foi et raison. Effectivement, comment choisir le chemin sans connaître la destination? Choisir le chemin, choisir le vrai chemin, c'est choisir Jésus. Choisir Jésus, c'est choisir la vie éternelle. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, Jésus veut que nous le choisissions. Choisissons-le. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut que vous choisissiez Jésus. Le même seul qui cabane nos vies comme Dieu tout le temps. Quel décalage entre les propos de Jésus et leur réception par ses disciples. Thomas le manifeste en premier, ce décalage, suivi par Philippe.
Comme lui, visiblement, il n'a pas compris. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il n'a pas compris. Thomas et sans doute les autres n'ont pas davantage compris les propos de Jésus qui se voulaient réconfortants. Ne soyez pas bouleversés. C'est ce que nous dit ce matin notre frère Jésus, le sauveur de l'humanité. Face aux difficultés, face à cette pandémie qui nous fait souffrir, qui nous fait peur, Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, ne soyez pas bouleversés. Nous devons lui faire confiance dans nos souffrances, nos maladies. Ne soyez pas bouleversés. Je pars vous préparer une place. Je me demande si ce n'est pas cette fausse interprétation du mot place qui est à l'origine de leur déconvenue et peut-être de notre propre difficulté à suivre Jésus, nous aussi. Chacun de nous, instinctivement, humainement, cherche à avoir de bonnes places. Et cela depuis l'école. Ah, le malheur des classements des premiers et des derniers, de la compétition et des performances reconnues et récompensées. Et ce qui se passe à l'école se reproduit à tous les niveaux de la vie en société. Et pour acquérir des bonnes places, des frères, n'hésite pas à écraser les plus faibles pour acquérir les bonnes places dans les institutions. Des sœurs, n'hésite pas à écraser les plus faibles. Ils en étaient là, les amis de Jésus, alors que le Maître leur avait répété à de multiples occasions que celui qui veut être le premier doit se comporter comme le dernier et le serviteur de tous. Papa, malgré hauteur que lié, comme le successeur de guerre, le fil écrit en bagaille, qui samedi, il écrit en bas, Pape X, le serviteur des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Nous travaillons en place. Si on jalousie pour mon fait, si on bagaille pour craser, pour marcher sous lui, c'est craser pour ne pas jamais perdre du ciel là. Et si on promotion que nous avons besoin, goûter pour ne pas jamais perdre promotion ça, serviteur de Dieu. Même si on promotion que dans l'église là, oui. Je suis serviteur de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, je suis la servante de Dieu. Même si on promotion. Puis qu'on promotionne, être pape n'est pas une promotion, être évêque n'est pas une promotion, être prêtre n'est pas une promotion. Pape, être pape, c'est être serviteur, serviteur des serviteurs de Dieu. Être évêque, c'est être serviteur du peuple de Dieu. Être prêtre, c'est être serviteur de sa communauté. C'est plus qu'une ambition chrétienne de Dieu. Être serviteur. Parce que vous ne pouvez pas tout passer pour Picro, vous avez tout donné. Allez. Il porte espoir. Il porte espoir. Picro serviteur, pour servir, pour mettre dans le monde. Il a vécu d'ici nous. Alors que, il est Dieu. Alors que, il est Seigneur, le serviteur des serviteurs. Celui qui veut être le premier doit se comporter comme le dernier et le serviteur de tous. Alors qu'il avait commencé le dernier repas en leur lavant les pieds. En nous pas gommé pour gloire sous la terre. En nous pas gommé pour honneur sous la terre. Puisque pas nous, les Yonam élus, Noé, on était sous tête, on tikaï qui ont la fumée qui poussait.
ce que nous appelons en italien la fumata bianca, la fumée blanche. Après le cardinal qui dit, si transit gloria mundi, qu'est-ce que ça veut dire? Et si passe la gloire du monde? Et si passe la gloire du monde? Si transit gloria mundi, tout honneur, toute gloire, tout bagage passé, comme la fumée, ou pas pour côté passé. Toute gloire pour Jésus le chemin. Tout honneur pour Jésus la vérité. Tout honneur pour Jésus la vie. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit à ses disciples, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Jésus dit à Philippe, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et toi, tu ne me connais pas, reproche-t-il à Philippe. Une place, oui, une bonne place, certes, mais à une condition, il faut suivre l'unique chemin qui est celui de la vérité de nos existences humaines et de la vie, qui est réseau de relations fraternelles. À la fin de ce chemin, qui est le Christ, il y a la bonne place. Non pas un lieu pour être seul, coupé des autres, mais un lieu pour être avec. Là où je suis, vous y serez aussi. C'est la promesse réconfortante de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus est le chemin à parcourir, la vérité à proclamer, la vie à partager et à aimer. Faisons-lui confiance et disons-lui tout bas, Jésus, je t'aime, fais que je te suive jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite maintenant à vous lever pour proclamer votre foi en Dieu, le Créateur de l'univers. Je crois en Dieu, le Père de tous. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Accomplir leur mission et témoigner de son amour. C'est
Seigneur, nous te prions. Seigneur, d'une société plus sûre et plus humaine à travers les solutions adéquates et respectueuses de la complexité de ce qu'ils ont à intégrer pour le bien commun. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance en viennent à leur achat.
propre pour notre salut. Il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple de baptisé, réhonoré la croix pascale, existe par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là du même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donne à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donne à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bénéfice Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermé la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, Monseigneur Max Noam Isidore, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Roger et Pascal Antoine, Roger et André Antoine, Anaïs et Aïden Antoine, Carnicolas, Régine et Alix Osmet, Régina Blaise, André Alix Osmet, Christian Dominique Blaise, Marie-Thérèse et Daniel Calonge, Laure et Dominique Calonge, Marie-Constance Antoine d'Orzéville, Jordan Bertus, Mathurin et Emmanuel Zéville, enfants et petits-enfants, Monsieur et Madame Jacques Augustin Jean et enfants, Jean-Roland Joannis, Charlie Bernard Vallès, Nancy Meus Kettini, Alexandra Vallès, Mélissa Vallès, Carole Duval, Stéphanie Duval, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, Ania Brinor, Patrick Boas, Kervin Etienne, Marie-Michel Etienne, Crésilia Sévère, Denis Fritière, Wolfsroller, Tony Prosper, Madame Pascal, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Délivrez-nous de cette pandémie baptisée COVID-19, coronavirus. Protégez-nous contre toutes sortes de maladies, Seigneur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves,
En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes dans vos blessés et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Thank you.
Faire confiance,
confiance même si nous sommes bayo à gâté. Frère Maxime, bayo vile gâté en Haïti. Et c'est parce que nous faisons tête dit, nous mettons Dieu à l'épreuve. Bon Dieu dit nous ça pour nous faire. La fête reste là, en nous fait. Nous gagnons 1160 cas suspects. Ça veut dire que les gens qui gagnent si, mais ils ne peuvent pas déclarer parce que ne peuvent pas faire test à bail et assurer si l'autre si a déclaré tout. Dans 1160 ans, si nous multiplions chaque monde par 20 ou par 40, vos spécialistes ont dit 40. Si nous avons multiplié 1160 par 40, nous déjà ouais combien de monde qui n'a la rue avec ces maladies, mais vous pouvez pas mettre les sous l'eau. Nous voyons que ce bagage qui commence à grand. Dans 3 ans, 2 jours, nous jouons 50 cas. Dans 2 jours. C'est ça qui fait nous gagner 151 cas confirmés. En Haïti. La donne, il y a 122 qui sous traitement. Gagné dans 151. Ou est-ce que vous faites tout ce que vous faites, malgré tout la maladie, ou allez chercher soin bonheur, ou bien possibilité pour guérir. Mais malgré tout, il y a 12 personnes qui vivent mourir. Nous prenons 12 personnes par rien, mais si nous prenons la statistique, 12 personnes sur 161, c'est presque 10%, c'est plus que 10%. Donc, nous ne pouvons pas gagner quantité ça. C'est parce que nous prenons ça à la légère et nous cherchons soin trop tard. Même là, nous connaissons l'État à l'église demandé pour nous suivre, consigne ça. Laver même, mais nous ne pouvons pas finir. Mais nous ne pouvons pas finir. Bon Dieu, bon, nous mettons la vie, nous ne pouvons pas finir. Mettez masque. Parce que nous ne pouvons pas consigner. Donc, si vous protégez l'autre, même là, vous t'a gagné, ou bien vous avez gagné, vous m'avez pas eu. Vous pas de masse, même avec un mouchoir, même avec un foulard, avec un bagage. Et puis, quatre pas de distance, pas de déranger. Nous habitués à vos culturel. Quand COVID fini, nous avons vos mots plus toujours pour nous rappeler, lâcher tout le monde nous perdre. C'est ça qui fait force nous. Nous n'avons toujours pas la collade, mais pour le moment, nous ne pouvons pas. Mais si toutefois tout, vous t'attendons un jour, nous avons la fièvre, chose pour nous. Si le thermomètre est plus que 39, gorge serrée, nez la bratelle, bouche à l'aide du bout, il ne peut pas vous manger. Et puis le senti-col crase. Même la lutte à toute maladie, parce que ce n'est pas seulement COVID là qui baille maladie ça, qui baille symptômes ça, excusez-moi. Il y a l'autre maladie qui baille symptômes ça, tout. Mais, plus bonheur, plus bon, et c'est lui qui permet de vivre dans Pita. En nous prenant bonheur. Relais 20-20, ou bien 116. Il y a Djou qui côté pour aller, et ça pour faire. Laisse ça, s'il vous plaît bonheur, vous allez bien temps récupérer plus vite. Mais si vous prenez temps, vous allez perdre plus de temps l'hôpital pour vous récupérer. Et malgré que nous connaissons l'hôpital, c'est là où soigner les gens, nous ne pouvons pas connaître que l'hôpital c'est côté pour vous ramasser plusieurs autres maladies. Parce que c'est tout le monde qui est malade qui vit. Donc, plus de monde, vous parlez de l'hôpital. Donc, si vous ne parlez pas l'hôpital, il faut prendre maladie à bonnet. Et pour prendre maladie à bonnet, il faut suivre tout ça, l'État à l'église Mandou. Son réalité, nous nous banaliser, nous ne disons pas vrai, mes amis, c'est vrai, son réalité. Et nous sommes tout pays, même grand pays, au souffrir de lui. En nous prenant précaution, même si nous connaissons, nous avons soleil, nous avons mon Dieu, nous avons mon mari. Mais on nous fait ça, on nous fait, c'est obéissance. Jeudi, c'est fête,
groupe charismatique enfant Jésus. 7 fois 4 fait 28. Et nous dit 7 c'est 6, perfection. Donc nous connaissons atteint nos perfections. Mais nous avons une petite fille qui se chorale enfant Jésus, qui a 2 fois 7 même, 14. Président chorale là, qui c'est lui-même qui chantait pour nous m'appeler, voulait dire des mots, m'a demandé de passer là pour nous garder. Voyez, merci et bye, groupe enfant Jésus à travers le président. C'est un ingénieur qui a chanté pour la gloire de Dieu, un ingénieur agronome qui a chanté pour la gloire de Dieu. Merci, docteur Maron. Révérend Père Jean-Robert, chers membres du groupe charismatique Enfant Jésus, chers membres de la chorale du groupe charismatique Enfant Jésus, chers amis, chers membres de l'Assemblée, les représentants des médias, chers amis internautes, bonjour. Le 11 mai 2020 marque le 28e anniversaire du groupe charismatique Enfant Jésus et le 14e de la chorale du groupe charismatique Enfant Jésus. Au cours des années antérieures, Dieu nous avait permis de nous réunir pour célébrer cet heureux événement qui est notre anniversaire dans la joie de son Esprit Saint. Mais cette année, il en a décidé autrement. Confinement oblige, comme nous le proclamons dans le credo, je crois à la communion des saints. Dieu nous fait la grâce de vivre cette vérité entre frères et sœurs dans la puissance de son Esprit Saint qui nous unit malgré la distance qui nous sépare. En cette heureuse occasion de notre anniversaire, nous glorifions Dieu pour ses grâces et ses bénédictions dans la vie du groupe et de la chorale. Le groupe charismatique Enfant Jésus et sa chorale remercient à la circonstance, le clergé paroissial, les groupes et chorales, ainsi que les fidèles de la paroisse de Saint-Louis-Roi de France de Turgeau pour leur encadrement et leurs prières qui nous ont soutenus tout au cours de ces années et qui continuent encore de nous soutenir. Nous espérons que Dieu nous permettra de reprendre nos activités de rassemblement en grande assemblée afin d'aider nos frères et sœurs à suivre les pas du Christ, le ressuscité, et à vivre dans les célébrations eucharistiques des moments d'éternité avec le Seigneur. Puisse le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint, nous garder fermes dans la foi, l'espérance et la charité en ces moments difficiles. Puisse-t-il nous bénir et continuer à faire grandir en chaque membre du groupe et de la chorale une spiritualité forte. Puisse Maman Marie nous envelopper de son manteau maternel. Joyeux anniversaire à tous. Merci. En plus de l'enfant Jésus que m'a invité devant l'hôtel là, à travers l'agronome là, si bien l'autre monde assemblé à célébrer mon anniversaire, m'a demandé pour le venir tout, Père Kabal bénédiction. Et comme c'est l'enfant Jésus qui a chanté et que la prime la bénédiction, c'est nous qui allons chanter pour lui.
Madame Liturgio, Abéa, ingénieur Sonou et nous tous qui faisons déplacement, bon dimanche et bonne semaine. Moi, je profite de l'occasion pour remercier Dr. Marol pour bon enseignement chaque dimanche. Libanon pour nous capables de protéger tête contre le coronavirus. Là. Docteur Marwan va seulement envisager travailler l'église, là, faire des tuyaux, faire belles commentaires, faire belles préparations dans sa liturgie, bien débrouiller l'église, c'est pas ça seulement. Mais nous avons tout le bien-être pour chaque monde capable, normal, pour chaque monde qui est en santé et offrir service libre. Pour être capable de former nous, pour nous capables de prendre précaution. Ça me capable de dire, nous la prière, c'est vrai, prière à monter grâce à descendre. Et bien, grâce à qui descend, dans la prière, nous avons demandé pour épargner nous le coronavirus. C'est formation, ça, que nous avons recevoir, qui faut dire nous comment pour nous protéger, tête nous contre ça. Ça, c'est grâce à qui descend. Dans la prière, c'est vrai, mais il faut nous faire petite attention tout, pour nous parler avec nous. J'ai envie de faire action nous. T'as fait comprendre que donc bagaille là va consacrer, etc. Faut être très 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 prudent. C'est prier, veiller et prier. Nous dit Docteur Marwan, beaucoup de merci pour formation salaire que la banque, que la continuellement nous, chaque dimanche justement, pour capable aider nous, qu'elle peut être nous face à problème ça qui a ravagé le monde. Docteur Marwan, beaucoup de merci. Vous représentez un paquet de bagaille pour nous. Pas bon ici, la paroisse là, pour la communauté. Nous battons pour vous, beaucoup de merci. Tout le monde, docteur Marwan, je remercie. Je n'ai pas besoin de dire merci encore, Marisol Régis, ingénieur Régis, donc tout le monde, docteur Marwan, je remercie déjà. Je vais vous remercier encore. Monsieur Marwan, je dis que clergé paroisse là, très content, je suis fier de nous, je compte sur nous, je compte sur prier nous, même gens, eux-mêmes, je la prière pour nous. Pour bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bon dimanche et bonne semaine. Merci. Merci.